Je fais un concept de vidéo génial. Je vais dessiner un animatronique. Et je vais dire l'histoire dans les commentaires. Allez, vous allez décrire un animatronique. Vous allez décrire un animatronique. Par exemple, ce serait un chien avec des grandes dents, qui a la bouche ouverte, qui a un tutu, c'est une fille, elle s'appelle Rick. Par exemple, et d'écrire son histoire avec Kao, dans un tutu rose, c'est un chien comme d'autres, ils sont pareils mais elle a un tutu. Et un papillon sur son oreille, sur au milieu de ses oreilles. Vous écrivez après l'histoire. Vous avez compris? Moi, je vais commencer par la centipède. Je n'enlèverai pas, et c'est une histoire horrible. Alors, centipède, déjà la description. C'est un chat tout noir, avec des yeux blancs. Qui est enfermé dans une boîte qui est très dangereuse. Tu vois ton carton. Vous avez bien entendu une boîte en carton. Et ça, quand on commence à devenir bien rouge, on va l'imiter à 1h du matin et réveiller. Il est juste que tu sens, il crache. Oui, il crache du sang. Et il a des grands blancs. Il y a plusieurs cadenas dessus. Il est comme ça. Il y a une serrure à colle. Quand il est scotché. Là, on va dire ça, c'est le sol. Pas très droit. Et là, il y a la petite feuille qui écrit colle. Je l'appelle centipate. Poisson. Donc voici, voyons l'histoire. Tout commença un jour. On lit à ma personne. Donc celui-là crée le pied. L'animatronique avait aucune âme. Et nous n'en aura jamais. Elle n'enlève jamais au début, mais il était quand même méchant. Là. William Afton choisit une personne. Cette personne n'avait pas vu qui c'était. Après, c'était l'humain, tous les humains qui disaient que c'était elle. Donc, elle. Donc, il s'attaque. Il découvre que son point faible, cette animatronique, c'était bien évidemment le carton. Oui. Donc, on l'a enfermé. Et quand il y a partout du sang, il faut le changer. Et donc, un jour, une fille inconsciente
ouvert. Oui, car elle avait le papier. Disons que c'était une légende. Bien évidemment, pas du tout. Et tu as appris toutes les personnes. Vanilla. Juste l'instrument. C'est le couteau. Sans. Pour tuer ses victimes, c'est le couteau. Écrire. Ensuite, ben, ça. La fille, elle s'appelle Émilie. Et ça, et Émilie, l'âge de son petit pas à 100 ans. Émilie a 100 ans, donc l'âge 100 ans. Voilà. C'est le plus dangereux. La classe. Et rouge. La classe rouge, ça veut dire hyper dangereux. La jaune, ça va encore. Et verte, ben, inoffensive pour les humains. Donc, voilà un peu l'histoire de Centipat. Maintenant, je veux que tout le monde, dans les commentaires, l'histoire qui sera le plus likée, choisisse celui qui sera le plus likée. Je prendrai juste à le dessiner. C'est un château noir avec des yeux blancs. Dessine pas les là-dedans. Et il ne faut jamais ouvrir. C'était la fin de la vidéo. Bon. C'était bien la fin de cette petite vidéo. J'ai hâte de faire le film, le test, la série. J'ai hâte de pouvoir la commencer, bien évidemment. La vérité derrière le Père Noël. Oh oh oh. C'était Miss LPS. À très bientôt.